les chrétiens. C'est un jour glorieux pour nous parce qu'en ce soir, un jour comme aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Amen. C'est une victoire pour nous chrétiens. Sans la mort, mais surtout sans la résurrection de Jésus, toute notre vie, toute la signification de l'amour pour Dieu serait vain. Mais Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Et c'est pour ça que nous voulons le remercier en ce matin. En ce matin, je vais faire une lecture dans la parole de Dieu. Je vais vous demander de vous mettre debout. Je vais faire cette lecture pendant que vous allez fermer les yeux. Parce qu'avant de se rappeler de la résurrection de Jésus, il faut se rappeler ce qu'il a souffert pour nous. Il faut se rappeler de ce qu'il a fait, de ce qu'il a subi pour nous. Bien souvent, nous oublions. Bien souvent, nous n'avons pas conscience parfois. Mais il est temps, il est bon de nous rappeler du sacrifice de Jésus, de la souffrance qu'il a endurée pour chacun de nous. C'est pour ça que je vais vous demander, pendant que je fais cette lecture, de fermer les yeux, si vous le voulez, afin de vous concentrer sur cette lecture. Et ensuite, nous allons commencer ce moment d'adoration afin de remercier le Seigneur pour sa mort et ensuite pour sa résurrection. Amen. La lecture se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 27, à partir du verset 11 pour la gloire de Dieu. Donc, concentrez-vous sur ce que je vais lire pour la gloire de Dieu. Et rappelez-vous, essayez de vous imaginer ce que Jésus a subi pendant ce jour où il a été accusé à tort. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas combien de choses ils t'accusent ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Alors, ils étaient assemblés, Pilate leur dit. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, lui dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voilà qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de toute la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate le relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Ils le couvrirent de manteaux écarlates. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et le frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu de Golgotha, nommé Golgotha, ce qui signifiait « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut point boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Après
afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête : celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant : toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient : il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il dit : je suis Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire : mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent : il appelle Eli. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé sur un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient : laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Et voilà, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent : assurément, cet homme était Fils de Dieu. Assurément, cet homme était Fils de Dieu. Assurément, Jésus est le Fils de Dieu. Il a souffert tout cela pour toi et pour moi. Assurément, nous devons l'adorer en ce matin. Assurément, nous devons lui donner la gloire et l'honneur qui lui est dû. Assurément, à cause de ce sacrifice qu'il a fait pour nous sur la croix, à cause de tout ce qu'il a subi pour nous sur la croix, nous voulons encore ce matin l'adorer, le glorifier en esprit et en vérité, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est saint et qu'il est roi. Nous allons prendre encore ce cœur à Golgotha, sans Jésus, s'écouler pour la gloire de Dieu. À Golgotha, sous yon croix, sans Jésus, découlé, y accepté, l'accepté, yo crucifié, pour moi t'es qu'à gagner. Là, à Golgotha, sous yon croix, sans Jésus, yo crucifié, yo crucifié, pour moi t'es qu'à gagner. À Golgotha, sous yon croix, sans Jésus, il s'est coulé, l'y accepté, yo crucifié, pour moi t'es qu'à gagner.
sacrifie Jésus. À Golgotha, sous yon croix, sans Jésus, il s'est coulé, il s'est versé, il a accepté, yon couronné, à Golgotha, sous yon croix, sans Jésus, il s'est coulé, pour moi, à coup, il a accepté, yon crucifié, pour moi, t'es qu'à gagner, à Golgotha, sous yon croix, sous yon bois, sans Jésus, t'es coulé. Yeah.
Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Moi adoré au Jésus, moi adoré au Jésus, moi adoré parce qu'on vivant, moi adoré parce qu'on vivant, moi adoré parce qu'on vivant. Amen. L'Éternel est vivant, il est ressuscité. Et nous voulons acclamer mon Dieu, acclamer mon Dieu, acclamer mon Dieu pour saluer.
Acclamez bon Dieu pour ça le fait. Acclamez bon Dieu pour sacrifice ça. Sacrifice sous la croix pour la gloire de Dieu. Je vais demander à ceux qui sont responsables des offrandes de se rapprocher pour la gloire de Jésus. Tandis que je vais refaire notre lecture un peu plus courte cette fois pour la gloire de Dieu. Parce que comme j'ai dit, c'est la résurrection. C'est la résurrection de Jésus pour la gloire de Dieu. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Tu peux, ma soeur, tu peux y aller. Et voici, il y avait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez point, pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Il n'est point ici, il est ressuscité. Il n'est point ici, il est comment? Il est comment? Il est comment? Il est comment? Oui, il est comment? Il est comment? Oui, il est comment? Criez pour Dieu, il est comment? Ressuscité. Il est comment? Ressuscité. Il est comment? Oh, rien passe sa chambre dans ton bois. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, pâte sa chambé dans ton bois. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, pâte sa chambé dans ton bois. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, pâte sa chambé dans ton bois. Il ressuscité, il ressuscité, il ressuscité, il ressuscité, il ressuscité, il ressuscité. Li pa mouri encore, li pa nan tombeau. L'amour pate sa chambé en tombeau. Pilate pate sa chambé, Pilate pate sa chambé en tombeau. Wash la pate sa chambé, wash la pate sa chambé en tombeau. Wash la pate sa chambé, wash la pate sa chambé en tombeau. Li ressuscité. L'homme pâte sa chambé en tombeau. Les Jésus mourit sous calvaire. Les Christ mourit, c'était pour moi. Moi demander est-ce que ma connaît. Combien moins tu es, combien moins tu es. Combien moins tu es l'amour, combien moins tu es l'amour. Les marivés
fin di, paske li sove mwen, li rachete mwen, e li ban mwen la vi, li ban mwen la sante, li sove mwen, li purifye mwen, li padone peche myo, mwen pa kati, mwen pa jom fin di, mwen pa kati, mwen pa jom fin di, mwen pa kati, combien moi tu es caprice pour moi, combien moi tu es caprice pour moi, combien moi pas caprice pour moi, combien moi tu es, moi connais ça lui fait pour moi, moi connais ça lui fait pour moi, moi pas caprice combien. Acclamons le Seigneur, acclamons le Dieu des dieux. Moi, pape, je me finis de dire combien mon Dieu. Acclamez, acclamez mon Dieu. Acclamez mon Dieu pour ça le faire. Acclamez mon Dieu pour ça le faire. Pour l'amour, il te gagne pour nous. Pour l'amour, il gagne pour nous. Ou pour l'amour, il a toujours gagné pour nous. Acclamez-nous, mon Dieu. Acclamez-nous, mon Dieu. Parce qu'il mérite toute gloire. Il mérite toute l'honneur, l'ouange. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse nous. Sans plus tarder. Je cède la place au frère Johan pour la gloire de Dieu. Alléluia. Disons alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Combien moins doué? M'attendez-vous. Combien moins doué? Combien moins doué? Mais pas qu'à dire. Amen. En réalité, si nous t'es qu'à payer, alléluia, nous t'as besoin pile, oui. Est-ce que nous t'es qu'à payer même une journée? L'appel de Dieu avait, frère JB t'a fait calcul là pour nous. Ça fait quoi? 150 euros par jour. Tu te rencontres l'église. Pour respirer, ce serait 150 euros par jour. Il y a des fois où elle fait course. Et quand on fout, ou bien quand est leader price, et puis pour 150 euros, ou pas, qui sont au point. La paix de Dieu avait, oui. Est-ce que tu es capable de souffrir pour 150 euros tous les jours? Et moi, je sens la nuit, tu as payé double parce que tu as dormi. La paix de Dieu avait, oui. Là, Jacob t'a goûté avec Zangelan, et puis Jacob m'a dit. Poser les anges en question. Il dit, comment t'appelles-tu? La paix de Dieu avait. Qui s'agence j'en te répond? Qui s'agence j'en te répond? J'ai pas compris. Mon nom est merveilleux. Sous vos applaudissements. Sans nous,
Alors Jésus, tu es venu. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Merci. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Alors, d'accord, merci. Alors, est-ce que vous êtes conscient que ce nom, il est glorieux? Attends. Ma parle avec moun qui est vivant. Ma parle avec moun qu'il a pour célébrer la résurrection de Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus l'a ressuscité? Non, non, pas quoi. Parce que c'est pas si amen, ça, m'a jeune. Parce que si ma célébrer victoire, je suppose que j'ai un gros amen. On dit amen. On nous applaudit le sang de Jésus. On nous applaudit la résurrection de Jésus. On nous applaudit le sang de Jésus. Parce que si c'est pas sans ça, là, comme ça, nous mettons pour la chance pour nous là. On nous applaudit le sang de Jésus. Et c'est une raison qui fait que, grâce à ce sang qui est versé sous la croix, nous avons une possibilité pour nous là, je vous dis. Nous avons une possibilité pour nous lever les mains ou bien pour nous marcher. Parce qu'en réalité, si ce n'est pas ça, qui est-ce qui connaît qui côté le tapis là? Personne. Et c'est une raison qui fait que, voix nous pas bien assez, louange nous pas bien suffit pour nous ta remercier, mon Dieu. Même si nous t'as un, nous t'as deux, nous t'as trois, nous t'as quatre personnes. Mais on a toujours essayé pour nous offrir, bon Dieu, une symphonie qui est propre à lui-même. Parce que grâce lui, infini. Que Dieu vous bénisse. Christ est sorti du tombeau. Ah, nous pas quoi ça. Christ est sorti du tombeau. Amen. Sans la prédication, sans la croix. Oh, pardon. Sans la résurrection, la prédication de la croix serait. Amen. Sans la résurrection de Christ, la prédication de la croix serait. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, si Jésus n'est pas ressuscité, ou pas besoin d'une chita là. C'est parce que Jésus ressuscité qu'il faut chita là. Si Jésus n'est pas ressuscité, a fait la vie éternelle, a dans le ciel, a dans le paradis, ou pas bien ça. Pour gagner conscience, c'est la résurrection de Jésus-Christ qui fait nous espérer ça. Donc, c'est un bail pour nous prendre importance, pour nous célébrer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Christ est sorti du tombeau.
don pour moi pécheur qui croit. J'étais perdu, j'ai le pardon, aveugle mais je vois. Alléluia, Christ est sorti du tombeau. Alléluia, Christ est sorti du tombeau. Le Fils prodigue est de retour, le pécheur est sauvé. Car Jésus-Christ a perdu la mort et nous a libérés. Alléluia, Christ est sorti du tombeau. Alléluia, Christ est sorti du tombeau. Mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Le puissant roi des rois t'a désarmé. Par son sang racheté, j'ai la vie éternelle. Que son nom soit loué. Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Tout au long de l'éternité, ce chant sera le même. Alléluia, Jésus est ressuscité. Au jour où je serai appelé dans ton doux paradis, mes yeux verront enfin ta face, ton corps pour moi meurtri. Déversant des larmes de joie, j'élèverai ma voix. Alléluia, Jésus est ressuscité. Mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Le puissant roi des rois t'a désarmé. Par son sang racheté, j'ai la vie éternelle. Que son nom soit loué. Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Tout au long de l'éternité, ce chant sera le même. Alléluia, Jésus est ressuscité. Tout au long de l'éternité, ce chant sera le même. Alléluia, Jésus est ressuscité. Tout au long de l'éternité, ce chant sera le même. Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Qui est digne d'ouvrir le lit? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le lit? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui
a été immolé. À lui soit tout, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Sois la louange, sois la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui, à celui, à celui, pour l'église. Ô gloire à toi, ô Dieu. Jésus. Gloire à Dieu. Thank you.
gloire sans fin. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai. Ton aiguillon à la coiffure brisée et ta victoire année. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Ton aiguillon à la coiffure brisée et ta victoire anéantie. Jésus, c'est l'unique espérance, c'est lui celle qui baille assurance. Lui, c'est soutien, lui, c'est force, moi. Et moi, pas prêté dans le chemin. Moi, pas qu'à faire route ça tout seul sans Jésus. Moi, pas qu'à faire route ça tout seul. Pasteur doyen, moi, pas qu'à faire route ça tout seul sans Jésus. Moi, pas qu'à faire route ça tout seul. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Ton aiguillon à la coiffure brisée et ta victoire. Et ta victoire. Et ta victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Ton aiguillon à la croix du brisé et ta victoire anéantie. Amen. Oh mort, où est ta victoire? Ta victoire. Oh mort, où est ton aiguillon? Ton aiguillon à la croix du brisé et la victoire anéantie. Disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. La question a été posée en chantant. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que Jésus a remporté la victoire
Il a gagné le combat pour chacun de nous. Aujourd'hui, il a ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau, mais il est dans notre cœur. La paix, bon Dieu, avec vous, nous n'avons pas aller plus loin, puisque l'heure a passé. C'est pour les joints, pour nous faire place à Pasteur Wilson. Et c'est lui-même qui prédicateur nous dans le moment ça. Alors, sous vos applaudissements, Pasteur Wilson. Que le Seigneur vous bénisse. À nouveau, nous remercions le Seigneur pour ses multiples grâces. C'est un jour vraiment qu'on peut dire un jour que nous ne pouvons pas oublier. C'est la commémoration de la résurrection de Christ. N'est-ce pas, bien-aimé? Une fois encore, que le Seigneur vous bénisse. Les mots de salutation de la part de pasteur Adly Saint-Cyr. Il est bien voyagé, il est bien arrivé, il est en sorte l'église. Donc, de ce fait, il m'a demandé pour moi saluer nous, et plus particulièrement, pasteur Doyen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, apôtre Wilson Auguste. Je prends le soin de saluer tous nos amis de l'internaute, de YouTube et de réseaux sociaux. Mais pasteur Doyen m'a demandé d'augmenter ou de dire en plus TV. Alors, saluez-nous tous à la gloire de Dieu. Juste une petite correction. Avant de présenter la parole, pour peu de minutes, pourvu que nous vendons nos marchandises, c'est que lorsque nous prêchons à l'intérieur du temple, mais il y a aussi tant de personnes que nous ne connaissons pas encore même, qui sont en train de vivre, n'est-ce pas, ce qui se passe ici à l'intérieur. Frère Johan vient de présenter une chose concernant Jacob qui lutta avec l'ange. N'est-ce pas? Quelques bonnes minutes de cela. Et il y a un serviteur dans la salle qui te répond. Les anges là dit comment on relève. Les Jacob dit comment on relève. Il répond merveilleux. Moi, rassuré, n'importe qui saoudi est rentré dans le système. Non? Cela veut dire que ça a déjà véhiculé qu'il est arrivé en Afrique. Donc j'aimerais bien faire une toute petite correction. C'est l'inverse. C'est l'inverse. D'accord? Donc, alors, lorsque Jacob lutta avec l'ange à Bethel, c'est en Genèse, chapitre 32, versets 27 et 28. Donc, les anges l'ont même demandé Jacob, comment le relais, dit Jacob. Alors, Jacob, les anges l'ont dit, bon, maintenant, dès aujourd'hui, tu n'appelles plus Jacob, ton nom changé en Israël. Donc, maintenant, relais Israël. Donc, alors, le serviteur avait dit merveilleux, c'est l'inverse, à raison, c'est Juge, chapitre 13, le verset 18. C'est lorsque Manoah, le père de Samson, d'accord? Donc, il t'a demandé, Zangelan, moi, t'as aimé qu'on ait non. Et Zangelan dit, mon nom est merveilleux. Amen. C'est juste une correction, ça c'est important pour nous, parce que nous sommes l'église qui est très réputée, nous en Afrique, nous tous côtés là. Donc, cela avait dit, nous faites une correction. Est-ce que vous êtes d'accord? Gloire à Dieu. On nous dit alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Encore, moi, je voulais renouveler les mots de remerciement à chacun de vous tous. Depuis ceux qui font le nettoyage du temple pendant tous les 40 jours, même les gens qui ont fait un stop pour faire le vin dans le service, là, ont une bénédiction réservée pour ça. Jusqu'au prédicateur. Donc, que bon Dieu capable de bénir nous à tous égards, que le banon plus de détermination, de sagesse, de persévérance, plus la foi, afin que nous capables de arriver à destinée de victoire en nous. Et lorsque Satan te pense, il te gagne la bataille là, et puis il va ouais, lit tête en bas. Amen. Parce que victoire, c'est pour nous que lit. Est-ce qu'on est d'accord ça? Donc, voilà, je vais présenter le message de la parole de Dieu. Mais Dieu inspiré, il faut que moi me remercie pasteur Doyen qui m'a eu l'opportunité de présenter ce dernier sermon.
mais aussi moi voulais sceller avec une prière avant que moi laisse ville là. Et me t'a senti bon Dieu t'a demandé ça et je vais faire ça après le message. Mais maintenant, je vous invite à lire avec moi dans le livre des Corinthiens, 15e chapitre, du verset 12 au 15e verset, à la gloire de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 12e au 15e, puis Ésaïe 53, 1 à 6. Ésaïe 53, 1 à 6. Alors, je lis pour vous. Tout d'abord, en Corinthiens chapitre 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelqu'un parmi vous dise-t-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? Verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. Le verset 15e, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Ésaïe 53, à la gloire de Dieu. Ésaïe 53, versets 1 à 6. Qui a cru à ceux qui ont été annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3e, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué de la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 6e et dernier verset. Nous étions tous des errants, comme des brebis. Chacun suivit sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité qui nous tout l'iniquité de nous tous. Pardonnez-moi. Que le Seigneur vous bénisse. À nouveau, que le Seigneur vous bénisse. Ce dimanche de Pâques, nous capables de déclarer avec fermeté ce dimanche matin, premièrement, oui, c'est le jour de la résurrection, le jour du Seigneur. Mais dans le monde entier, ce grand message, amen, de la résurrection, donc on prêchera partout, parce que notre Dieu, c'est le seul leader. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? C'est le seul leader parmi tous les autres leaders présentement qui parle dans ton bois. C'est Jésus de Nazareth. Est-ce que Jésus mérite un applaudissement? Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup là-dedans,
Ben nous capables de citer, amen, Bouddha, li nan tombo a toujours, amen. Song Yong Moon, li nan tombo a toujours, la paix bon Dieu avec vous. Nous ka citer Pharaon, li nan tombo a toujours. Et pour nous aller plus près de nous, pas trop longtemps, de les 50, combien, 56, une chose comme ça. Reprendre Duvalier, li nan tombo a toujours, amen. Mais Jésus de Nazareth, il a pris les clés de la mort et il a dit, mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? J'étais mort, mais maintenant je suis ressuscité. Est-ce que vous êtes d'accord que bon Dieu est ressuscité? La résurrection de Christ. Alors, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, certainement, la résurrection de Christ et la résurrection des croyants sont indissolublement liés. Ça veut dire que si Dieu n'est pas ressuscité avec hardiness, je ne suis pas capable de faire confiance que l'homme mourir m'a ressuscité. Mais c'est parce que Dieu l'est ressuscité et ça nous donne de l'assurance, n'est-ce pas? Donc, l'homme mourir n'a pas ressuscité. Mais je veux aller plus loin pour dire quelque chose qui ne sont pas trop connus à votre portée. C'est pas l'œil au monde mort seulement que le cas ressuscité. Mais il y a des maladies qui frappent. Ou tu es déjà désigné à la mort. En d'autres termes, l'ennemi, Satan, le diable, même lui qui t'a chanté en tes mains. Je parle avec vous, mon là. Et me live. Mais nous saisis ça m'a dit là. Satan le diable, lui déjà chanté entièrement. Et que les gens même captent qu'il est pour répéter. Ça veut dire que les gens qui marchent vivants, ils connaissent qu'ils mourent déjà. Amen. Et puis Dieu rentre dans le tombeau côté au métaux là. Ou pas ouais tombeau là, mais ils connaissent le tombeau côté au métaux là. Et puis Jésus crase le tombeau là, il ouvre le tombeau là, et puis il saute avec. Ça veut dire qu'ils sont ressuscités. Au frappé, mon Dieu, ils sont ressuscités. Et honnêtement, beaucoup de fois nous témoignons, amen, des miracles, des prodiges que Dieu a opéré dans notre vie. Gon auteur qui chantait, seul ça me connaît, moi pas là pour me vivre encore. Amen, oui, moi pas là pour me vivre encore. Donc ça veut dire que, si je bien rassuré, ça m'a dit, il y a des gens qui chutent à la matin, des gens qui au loin, qui vivent le message, amen, qui a la puissance de la résurrection de Dieu, moun sa ou c'est moun qui était mort déjà. Il était vanyo en quelque part. Mais Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans sa puissance, il ressuscite nous à nouveau. C'est pas vrai? Donc, c'est pas l'offinement seulement où pensons qu'à ressusciter, mais à chaque fois que l'ennemi lui fait un plan de mort, amen, et puis Dieu qui s'en fait, lui change la mort, lui bon la vie. Si vous d'accord, comprendre ça, levez mon Dieu, alléluia. On dit alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimé? Alors, la parole de Dieu dit, c'est pour cette raison, bien-aimé, nous voyons, même quand vous n'êtes pas déplacé, mais c'est avec assurance que partout dans le monde aujourd'hui, il y a le plus grand message. C'est la résurrection de Christ. Amen. C'est la résurrection de Christ. Et si normalement que Christ n'est pas ressuscité, donc la parole de Dieu nous dit en Corinthiens chapitre 15 du verset 12e au 15e verset que nous venons de lire, apôtre Paul dit, prédication nous, tap vain. Est-ce que nous là? La foi nous. Il y a quelqu'un qui a répondu moi là. Tap vain. Pourquoi la Pâque? La paix bon Dieu avec vous. Donc, nous avons deux points importants. Eh bien, on dit que cette fête de Pâques est la plus grande fête du christianisme qui marquera la résurrection de Christ. Ça veut dire que matin, en dépit de toute situation, de problème que vous faites face, bien-aimé, mais nous avons quelque chose que l'argent et l'or amènent, peut-être capable à nous, qui réjouit cœur nous, c'est la résurrection de Christ. Est-ce que vous chrétien qui sent-il content matin? Parce que, ou content à raison, l'idée qu'on gagne, là où on parlait de lui, amen, oui, plus de 2
2000 ans passés, la paix bon Dieu avec vous, et c'est lui-même seulement qui a le pouvoir, qui a la hauteur pour le conjuguer le verbe de la mort au passé, pour le dire j'étais mort. Et femme connaît qui est ce monde qui a dit ça encore. C'est seul Jésus capable de dire ça, j'étais mort, et puis il a dit maintenant au présent, je suis vivant. Est-ce que tu es d'accord que bon Dieu vivant, il est assis maintenant à la droite de son Père, il intercède pour nous. C'est pas moi seulement qui a prié pour vous, c'est pas pasteur Doyen seulement qui a prié pour vous, mais bon Dieu l'a prié pour vous. Le diable tout pas vivre encore, bon Dieu prié pour vous. Le diable dit le condamné, bon Dieu prié pour vous, lui enlever condamnation. Là, il dit, il faut pas jamais rien dans vie. Et puis, bon Dieu montrer, lui souffler sous vous, et puis la bénir, la prier pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord que bon Dieu prié pour vous? On dit merci, Seigneur. Sois avec moi, dit merci, Seigneur. Deuxièmement, la fête de Pâques signifie le miracle de la libération du peuple juif qui sortit de l'Égypte. C'est pour cette raison, sous le soir, pendant que les enfants d'Israël prallent quitter l'Égypte, et bien la parole de Dieu nous dit en Exode chapitre 12, est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Et bien Dieu a ordonné à Moïse de dire, alléluia, aux enfants d'Israël. Ils pral prendre un agneau sans défaut. Et sans ça, qui pral verser, c'est bien le sang de Christ. Et agneau ça, c'est symbole, le Messie, qui est Jésus de Nazareth. Et il pral sceller, amen, comme signe de protection. Toutes les maisons des enfants d'Israël, et sous le soir, l'ange de destruction lui pral passer. À la vue du sang, amen, sur le linteau des portes. Songe-là, pral passer en haut. C'est ça, y aurait en anglais, pass over. Parce que porte ça, taille ça, lui scellé par le sang de Jésus. Les protéger en bas le sang de Jésus. C'est vrai qu'il y a malheur. C'est vrai qu'il y a la mort. Mais d'un côté, amen, les anges arrivent le sang. Amen, sang symboliser alliance entre vous-même avec Dieu. On parle avec quelqu'un là. Sang symboliser alliance entre moi-même avec Dieu. C'est pas parce que nous sommes meilleurs, les corona a tué moun, mais qu'on caille santé sous lui. Qu'on porte santé sous lui. Et puis il dit, moun ça, puisque en alliance avec bon Dieu, mais regardez, on bénéficie d'une grâce spéciale. Frappez mon Dieu, une grâce spéciale. Frappez mon Dieu, une grâce spéciale. Et le sang vous servira. L'alliance entre toi et Dieu. La paix, bon Dieu, avec vous. Donc, et la parole de Dieu dit, eh bien, à chaque fois que les anges l'envoient sang, il va rentrer dans le pot ça. Mais la passe est dessus. La paix bon Dieu avec vous. Et deuxième instruction que l'Éternel bail à Moïse. Il fallait que Pâques, ça c'est une dernière Pâques que y a passé en Égypte. C'est pour y manger à la hâte. Ça veut dire que manger militairement parlant. On pas besoin qu'on s'y mange à chaud. Les militaires ont mangé. On pas besoin qu'on s'y écrase. Les rois ont mangé. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que nous pas trop loin pour nous libérer. Nous dans la dernière minute de libération. Nous dans la dernière minute de laisser le pays. Ah, on pas gagne monde avec moi là. Hein? Nous dans la dernière minute pour nous sortir de sa nouillère. Nous dans la dernière minute pour nous témoigner, grandeur bon Dieu, manger à la hâte parce que nous prenons des plats déplacés. Comment est-ce que vous avez dit ça? Ce n'est pas votre responsabilité. Est-ce que manger après le fond? Une chose parmi toutes choses, dans le corps de l'homme, comme dame, il faut comprendre. Là où manger à craser en dents, ce n'est pas une autre dent. Vous n'avez pas encore d'autres dents à l'intérieur de vous que dans votre bouche. Mais c'est parce que à l'intérieur de vous, à l'estomac même, ou que ça relève un acide. Donc, acide, ça, on dit que dans l'étude du corps de l'humain, donc acide, ça, il est 10 fois plus puissant que acide batterie. Les 10 fois plus puissants. C'est pour cette raison, là où manger, hein, et puis où est, lui passer, lui fait, ça glow, ça déchet, etc. C'est acide
qui en dans l'estomac ou qui moule manger qui moule qui mange qui prend 20 minutes pour le mouler qui mange qui prend 30 minutes pour le mouler et yo expliquez nous manger qui prend plus de temps prend 4 heures de temps pour le mouler c'est viande cochon. Me senti me rete quelques moun là. Manger prend plus de temps pour le mouler, c'est viande cochon prend 4 heures de temps pour le mou. Et c'est pas sans raison lorsque Dieu au temps de l'Ancien Testament a dit Israël faites attention avec viande impure parce que à l'est ça pas de gain médicament donc ça veut dire que viande ça te ca choué. Je m'arrête là. M'a dit si Dieu veut m'a parti. Même senti bon Dieu dit me faut me bénir. La paix bon Dieu avec vous hein. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre l'importance de la résurrection de Christ. Donc, c'est pour cette raison que la Bible nous dit clairement, amen. Donc, Dieu mandait aux enfants d'Israël, dit Moïse aux enfants d'Israël, c'est pour le peuple à manger avec la hâte, parce que moment, c'est un moment qui est très court, c'est un moment qui est très précieux, et soirée ça, c'est soirée libération. On dit libération. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, amen, il met en conséquence, on peut dire, 6 conditions que l'apôtre Paul dit. Si que, d'après le chapitre 15 de 1 Corinthiens 15 que nous venons de lire, Paul dit si que Christ n'a pas ressuscité, notre prédication, ça veut dire que ça m'a dit là, que mon qui peut dire que c'est menti ma baille. Mais Paul fait nous comprendre que, numéro 1, si que Christ n'est pas ressuscité, n'est-ce pas? Eh bien, prêcher Christ n'aurait pas de sens. Ça veut dire que parler au monde de Jésus dans votre travail, encourager les jeunes à servir Dieu, ça, ou t'as sans sens. Si Christ n'était pas ressuscité, ou t'as senti mal à l'aise, mon frère. À vous qui évangélisez dans votre travail. Amen. À vous que les gens on connaît déjà. Tu es chrétien. Amen. En quelque part, il dit, mais tu passes tes abvenis. C'est pas vrai. Tout cela repose sur la résurrection de Christ. On dit alléluia, si vous comprenez. Donc, vous sentez bien parce que vous avez confiance que le leader ou observé, à bon Dieu observé. Hein? Amen. Il n'est plus dans le tombeau. Mais il est présentement à la droite de son père. Alors, premièrement, c'est que Paul dit que c'est que si nous pas de confiance que Christ ressuscité, eh bien, ça t'a gagné, pas t'a gagné sens lorsque nous prêchons Christ. Deux, la foi en Christ n'aurait pas de but. Car Hébreux nous dit que, amen, la foi est une ferme assurance. Mais comprenez bien, bien-aimé, dans quelle école que vous enseignez ça? Mais si vous avez besoin riche, si vous avez besoin d'argent, c'est pour aller à l'école, pour étudier comptable, pour faire docteur, la paix bon Dieu avec vous, pour capable posséder. C'est ça l'éducation et c'est ça le système de vivre sur la terre. Et tandis que là, nous avons un autre système décrit en Hébreux chapitre 11. La foi est une ferme assurance, chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas, qui j'ont fait ou pas qualifié pour un bagaille, pourquoi on va le recevoir. Non, faut être docteur pour faire l'agent ça. Faut être, amen, faut être avocat pour capable posséder ça. Mais tandis que la résurrection de Christ, libère-nous la foi. Ah bon Dieu, tout ça qui est impossible, Dieu renie au possible. Je parle avec quelqu'un, amen. Tout ça qui pas semblé, amen, facile, Dieu renie au facile. Parce que la résurrection de Christ, c'est une plat, c'est une provision complète. C'est un plat complet. La paix, mon Dieu, avec vous. Si Dieu pas ressuscité, bunio, il est absent sens. Objectif, c'est quoi l'objectif? But à atteindre. Il y a un jeune qui chante là. Il y a un monde qui chante là. Il dit, bon, j'ai 21 ans maintenant. Mais je sais, à 24 ans, amen, j'ai un but à atteindre. J'ai un objectif, n'est-ce pas? Qui j'en fais dire ça? C'est parce que, ou quoi, de la résurrection de Christ, eh bien, lorsque on dit un bagaille, Dieu capable ni effectif. Deuxième point, amen. La foi en Christ n'aurait pas de but. Troisièmement, tous les témoins
et les prédicateurs qui prêchent la résurrection seraient des menteurs. Amen. Tout le monde qui te dit, alléluia, il était où les anges là ou les roches là? Tout le monde qui te dit, il était où est Jésus ressuscité? Tout le monde dans le chemin de maïs, amen, prenez à marcher, et puis Jésus, amen, fait son apparition sur le chemin de maïs. Et les prédicateurs qui prêchent aujourd'hui la résurrection de Christ partout dans le monde, et bien, ils t'ont dit que nous sommes tous des menteurs. Oh, nous t'avons présenté là des sketchs. Montrer que Christ n'est plus au tombeau, mais il est ressuscité. Il t'a dit, regardez, les nous mentaient. La paix, bon Dieu avec vous. Mais nous pas des menteurs. Alléluia. Nous confirmer. Ça n'a pas dit, c'est une vérité. Et nous vivons de la vérité. Et oui, c'est la vérité. Elle a toujours la vérité. Frappez-moi pour ça, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, troisièmement, tous les témoins et les prédicateurs qui prêchent la résurrection seraient des menteurs. Quatrièmement, personne ne serait sauvé du péché. Alors, personne ne serait sauvé du péché. Même si tu es riche, dans toutes graines cheveux, même si tu es possédé de l'argent. D'ailleurs, bagay sa yo pas capable d'effacer péché. Bagay sa yo pas capable pardonner péché. C'est pour la bonne raison que Dieu, amen, il n'a pas annulé le système de l'Ancien Testament, mais il a changé, il a modifié le système de l'Ancien Testament, amen, pour la nouvelle alliance. Parce que chaque fois où tu es péché, faut que tu aies prié pour le porter. Faut que tu aies bête pour le porter. En d'autres termes, c'était une image qui a couvert le problème dans le péché. Mais le péché reste encore vivant. Mais le moment de la nouvelle alliance, eh bien, la parole de Dieu nous dit, lorsque le sang de Christ versé, il efface tout péché une fois pour toutes. Est-ce que quelqu'un là connaît bon Dieu efface péché? Non seulement efface péché, mais il mettait un système, amen, de sacrificateur, et il a placé à nos côtés comme, ça veut dire, le Saint-Esprit qui est notre paraclet. Il dit quoi? Il est aussi notre avocat. Comment on l'a d'accord et on remet que Jésus est avocat? Ça veut dire que c'est parce que Jésus connaît que n'a toujours péché tout autant que nous sur la terre. Certes, il y a des péchés au pape rentrer là-dedans. La paix bon Dieu avec vous, mais l'impossible, il faut bouche ou ta TP 24 sur 24 pour pas ta péché en parlant. Et même si bouche la TP, pardon, mais pensez à. Est-ce que nous comprenons bien? Les paroles la sorti dans la bouche là, c'est pas dans la bouche là sorti avant, mais c'est dans pas. Ça veut dire que jusqu'à ce que nous quittions la terre, a toujours gagné toutes sortes ou bien formes de péché. Et son seul côté, pape qui péché, parce que péché, pape qui rentre là. C'est dans le royaume des cieux. Est-ce que nous avec moi là? Donc, sans la résurrection de Christ, ce serait nul et impossible péché ou yo, pape capable, pardon, pardonner. Et maintenant, moi, rendre gloire à Dieu. Si vous ne m'aimez pas comme ça, mais pour moi, c'est un témoignage puissant. L'homme songe la vie, moi. L'homme songe qui moune comme t'es. L'homme songe comment t'as fonctionné. Et puis maintenant, Dieu fait de moi son serviteur. La vie méritait, bah, bon Dieu, gloire. Je ne peux pas parler avec toi. Parce que papa, c'était sacrificateur. Non, pas de droit pour me tout bagaille comme ça. Papa, c'est lévite. Amen. Ça veut dire que l'évangile là, regardez, l'évangile là, c'est un héritage que lié pour vous. Mais moi, l'évangile pour moi, ce n'est pas un héritage, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Pasteur me fait dans l'évangile, moi, je ne pas connaître rien de vous. Mais moi, je vis de vous, je ne pas connaître rien de vous. Je ne pas, vous ne pas attendre. Alléluia. Donc pour moi, l'évangile, c'est une grâce. Comment vous êtes avec moi là? C'est une grâce. Amen. C'est bien. Donc, tous les témoins et les prédicateurs qui prêchent la résurrection seraient des menteurs. Amen. Quatrièmement, cinquièmement, tous les croyants des temps passés, amen, auraient également péri si que la résurrection de Christ n'était pas une réalité. Tous les croyants du temps passé seraient péri. Mais c'est parce que la résurrection de Christ, c'est une
réalité. En conclusion, les chrétiens seraient plus malheureux. Si Christ n'est pas ressuscité, les chrétiens seraient plus malheureux. Nous allons parler de l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui sont encore malheureux. Je ne connais pas facile pour dire. Parce que l'on prédicateur campé devant. Qui est-ce que ça fait? D'ailleurs, où connaissez le monde possédé, il y aurait les riches. C'est pas vrai, bien-aimé? Où connaissez le monde possédé des choses qui auraient les riches? Alors, qui étude mon affaire, mais l'a dit ou que l'a classé ou comme un malheureux. Et tandis que vous possédez beaucoup de choses à la Martinique, comme je suis à la Martinique. Mais si je parle à même de l'extérieur, comme mon cap kadem la, cap kandem la, vous possédez beaucoup de choses. Et comment la parole de Dieu a placé au rang des malheureux. Après avoir possédé toutes ces choses. Ah, la référence de l'Apocalypse, chapitre 2. Lorsque Dieu parle avec l'église de la Odyssée, une ville très importante. Amen. Une ville plus riche parmi les autres. Et la parole de Dieu a dit à la Odyssée, même quand un système bancaire ou plus riche que tout l'autre, la caillou gagne de fabrique qui fait de toile. Et puis Dieu a dit, moi trouvé où tout nu. Amen, oui. Amen. La caillou. Regardez, il résout le problème des yeux, il met des yeux dans les yeux, monde qui pas bon, pas de bons yeux. Et puis, je te déclare ce matin, moi, aveugle. Je ne comprends pas ce qu'on est, ça m'a dit là, non. Dieu dit, alléluia, j'ai mon riche, c'est vrai, la caillou, ou pas manquer de richesse, ou pas manquer de l'argent. Mais moi, je déclare au matin, tu es pauvre. La paix, bon Dieu, avec vous. Alors, je vais comprendre, matin. Tout ça, le monde est utile. Et l'homme même en partie, c'est qu'on s'aille au bon respect. C'est l'homme bien habillé au bon respect. C'est l'homme en belle voiture au bon respect. C'est l'homme habité dans une belle maison. Il a changé de nom. Il a parlé le mari, mais le miss. Amen. Oui, c'est là l'homme a un problème. Là, il y a un problème, il a commandé au prêter. Et puisqu'on a une possibilité pour prêter, il a changé de nom. Il a le papi. Est-ce que vous comprenez ça, m'a dit là? Mais m'a dit, il y a un bagage qui est important, bien aimé. Tout ça, m'a dit, utile, parce que nous sommes encore sur la terre. Mais m'a dit, le meilleur moyen que le monde capable riche, c'est lorsque il y a Jésus dans la ville. Parce que l'argent passé, bien de la terre a passé, amis, camarades a passé, relation, éducation, tout a passé. Mais avoir Jésus dans votre vie, c'est une chose éternelle. Parce que l'autre bagage qui est éternel, c'est ce l'éternel qui est éternel. Est-ce que vous qui a frappé mon pour ça? Ce c'est l'éternel qui est éternel. Donc en absence de la résurrection de Christ, nous serons les plus malheureux de ce monde. Mais gloire à Dieu, nous avons servi avec eux comme des passagers. Nous avons servi avec eux comme des étrangers sur la terre. Amen. Mais je crie en mon Seigneur, il n'est plus au tombeau, mais il est ressuscité et il est présentement à la droite de son Père. Attention, s'il peut mourir, il peut être capable de ressusciter. Et si il peut ressusciter, nous pas capable de dire Jésus reviendra. Quoi monde qui connaît Jésus a retourné, faut le ressusciter pour le retourner. Et un jour tant qu'on chantier, nous pas commémorer la résurrection, mais nous tout ensemble dans la gloire pour contempler le retour de Christ, ou même qui te compte pleurer, ou même qui pas de personne, ou même alléluia, il t'a humilié, là Jésus va venir, l'a changer situation. Oui, Dieu changera. Amen. Tous vos situations. L'âme qui est dans les yeux, il va le sécher. Et ceci, vous va chanter pour toujours, éternellement, gloire à l'aïe. Ressuscité. Frappez main pour l'aïe ressuscité. Frappez main pour l'aïe ressuscité. Alors, je me suis fier en ce matin de parler ainsi. Amen. De vous présenter ce message comme mon dernier sermon sur la ville de la Martinique. Comme apôtre Paul disait, en quelque part, si vous ne verrez pas encore ma face, parce que je ne connais pas demain, je ne suis pas quoi le maître de moi-même. Sinon, pas ta ouais encore, pour y'a l'autre 40 jours à la Martinique, n'oublie pas ce rendez-vous divin. Tout le monde est supposé là. Oh, dis-moi, c'est pour là, c'est pour là, c'est pour là, c'est pour là. Alléluia. Donc, nous avons un rendez-vous dit.
rendez-vous divin. Alléluia. Le ça. Nous yon pral content ou l'autre devant Abraham, devant Isaac, devant Jacob, avec les 24 vieillards, moun qui t'a souffri yo, ou pral blier souffrance yo, va la humiliation pral sur la terre. Oh Jésus de Nazareth, des couronnes désignées, des couronnes désignées pour chaque monde qui t'a travaillé, pas la guerre travail ou, qui me travaille pour mon Dieu, même si yon pas comprendre, mais qui de travail ou gon couronne pour ça, c'est pas couronne pam nan y a ba ou, c'est pas couronne pour la y a ba moi, mais chaque personne il y a une couronne désirée pour toi, pour ton travail, même quand c'est dur, même quand c'est décourageant, mais qu'aimer le travail, marcher avec Dieu, et Paul dit vous courez bien, mais qui vous a empêché de courir, ou t'as persévéré bien jeune fille, tu marcheras bien avec le Seigneur, mais qui vous a empêché, Jésus a ressuscité. Il faut continuer vers le but. Il faut continuer vers le but. Et puisque Christ est ressuscité, c'est pas seulement la prédication, Paul dit, qui t'abvienne, mais foi à nous. Le demander quelque chose à bon Dieu, nous n'avons pas d'espoir que nous recevons. Sur cette déclaration, ou même qui connaît Dieu pas seulement ressuscité pour le payer pardon péché nous, mais les ressuscités, le nom fait lion demande. Les gens oreilles pour le tendre. Approchez-vous d'ici et je vais prier pour vous à la gloire de Dieu. On a dit Alléluia. Pas de approcher, à soi pas approcher, marcher. On a dit Alléluia. On a dit Alléluia. Déclare avec moi devant toi, non, Seigneur Jésus. Moi, crois dans la parole. Moi, crois dans la résurrection de Dieu. Je dis à moi, déclarer. Sur la puissance de la résurrection de Christ, je ne prie de même. Moi, pas même mon nom encore. Ma vie est transformée. Ma vie est changée. Je déclare, je ne m'appelle plus. Alors, même on va le citer, non. Je ne m'appelle plus Wilson, mais je m'appelle Succès maintenant. Dégage, si vous voulez déclarer, loi déclarer. Je m'appelle Succès par le pouvoir. On allait par le pouvoir de la résurrection de Christ. Je déclare, je ne suis plus Wilson. Maintenant, je m'appelle Succès. Ces mêmes gens, amen. Les gens ont dit Jacob. Qui j'aurais les Jacob dit je m'appelle Jacob. Les gens ont dit dès aujourd'hui, tu n'appelles plus Jacob, mais tu es Israël. Vous recevrez une bénédiction spéciale à cause de la résurrection de Christ. Il a désarmé Satan. Il a désarmé, amen. Oh, amen. Ça nous est les opposants, l'adversaire qui est Satan, le diable. Et moi, ouais, mon Dieu, qu'a beau plus âme. On a dit plus âme, plus âme, plus âme, ou même qu'à lutter dans votre vie spirituelle, oh, amen, ou même qui tourmenté, ou même qui embarrassé, ou même qui a des problèmes, problèmes spirituels, social, mental, il y a monde qui campé là, c'est là seulement il était qu'à prier, mais à la maison tout est difficile, mais dans le nom de Jésus de Nazareth, aujourd'hui pas seulement commémoration, amen, de la résurrection de Christ, mais c'est une journée de victoire, tout mort dans le tombeau, mais ou même Jésus ressuscité, et moi déclaré dans le nom de Jésus de Nazareth, toute œuvre qui était morte dans la vie, c'est pour y reprendre vie encore. C'est pour y reprendre vie encore. Tout objet, tout projet dans la vie qui te semblait mort, c'est pour projet, on reprend vie encore. Je parle avec des jeunes, je parle avec des personnes qui ont des projets. Projets ont été morts par la résurrection de Christ. Moi déclaré, c'est pour projet, il reprend vie encore. Ou même qui t'en retard dans l'étude, c'est pour mon Dieu faire ou rattraper. Père, année passée, aïe aïe aïe, je touche cette jeune fille. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Année perdue, soit réattrapée. Année perdue, soit réattrapée. Je déclare, au nom de Jésus de Nazareth, je dépose l'onction. Je dépose l'onction. Je dépose l'onction sur ta vie. En résurrection de Christ, tu n'es plus le même. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus. Allons-y ensemble avec moi. Seigneur, dans le nom de Jésus. En ce dimanche de victoire, en ce dimanche de résurrection, tout côté Satan te descend avec moi de la profondeur de la terre. Moi, comment des noms moi? Dis à soi, dis-moi, comment des noms moi? Sortis de ton bois, sortis de ton bois,
sorti de ton bois, levez mon cri, alléluia. Beaucoup de fois, il y a des pensées qui viennent dans l'esprit. C'est parce que Satan saisit l'esprit. Et puis il descend avec lui dans la chambre fait noir. Il descend avec lui dans le tombeau. Mais jusqu'à présent, Satan n'a pas gagné. Parce que Jésus t'a désarmé dans le tombeau. Oh, on dit dans le nom de Jésus. Moi, déclaré en ce matin de résurrection, Satan le diable, tout côté où il est allé, avec l'esprit, avec compréhension, avec obéissance, moi, avec réussite, moi, avec intelligence, moi descends par la foi, en ce jour de résurrection, moi commande tout ça, bon Dieu t'es maintenant moi, comme capacité qui t'est mourir, c'est pour le ressusciter, 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 c'est pour obéissance ou ressusciter, aïe aïe aïe, frappez mon frappez mère, c'est pour obéissance ou ressusciter, c'est pour capacité ressusciter, c'est pour vision ressusciter, aïe, c'est pour grâce mon Dieu, les ressusciter dans la vie. Si vous avez des enfants, tout ça docteur a dit, amen, c'est une analyse, amen, c'est pour garder docteur à saisir, parce que bon bagaille qui pas normal, bon j'aime qui t'est mort, que le ressusciter qu'on y est là. Dans la vie, pas de maladie. Quel ressuscité qu'on y est là. Amen. Ou objectif qui t'est mort. Ou même jeune qui a étudié. Ou objectif qui t'est mort que Satan volait. C'est pour le ressusciter. Même Jean Jésus, il t'est ressuscité. C'est pour ressusciter. Il t'est ressuscité devant diable. Il t'est ressuscité devant ennemi. C'est pour Dieu ressusciter. Devant méchant. C'est pour vous progresser. C'est pour vous marcher. C'est pour vous vivre. C'est pour vous mon diable. Oh papa, oh papa, dans le sa Seigneur, je viens de remercier vous pour peuple à l'église de Dieu de la sainteté. Année 2022, nous pas t'espérer nous t'appeler encore. Mais Dieu a jugé dit, il fait de nous un témoignage puissant. Seigneur, touchez servant tout, n'a pas dans l'esprit, tout ça qui a bouleversé le foyer, qui a bouleversé la ville, ennemi qui campait contre lui, il y a une réponse pour lui. Aïe, 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 dis Seigneur, il y a une réponse, il y a une réponse. Au Seigneur, moi touche servant qui sorti de loin pour te rentrer dans 40 jours, elle prend bateau. Bateau a te ka couler avec elle. Mon père laisse sa fête. Il te gonfle l'âme de l'évangile. Qu'elle touche le de Saint-Lucia. Elle prend bateau pour te finir. Pour venir boire action de grâce, pour venir remercier. Seigneur, pas quitter le retourner avec mes vides. Même Jean, alléluia, Zange, dit Jacob. Moi béni ou maintenant, ou parle le Jacob encore. Ou elle est Israël. C'est pour commerce ou ma. C'est pour Ishouk malade guérir. C'est pour tout vent bénédiction. Persécution qui a soufflé sur vous. C'est pour mon Dieu, mon victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Les actions sont faites de ça. Jésus a remboursé. Jésus a béni pour ça. Au nom de Jésus, alléluia. Levez mes doigts tout devant mon Dieu. Seigneur, moi prier matin. Pour chaque monde, alléluia. Qui te fait un geste d'amour. Qui te supposé, Seigneur Dieu. Qui te. Seigneur Dieu, participer notre travail qui t'a fait là, qui te prend soin serviteur, qui te pense avec moi dans la prière. Matin, moi, alléluia. Moi, relâchez l'onction sur yo. Moi, relâchez l'onction sur yo. Yala papa, mais à cocho, la rota. Ouais, la rota, la rota. Moi, relâchez l'onction sur yo. L'onction sur les jeunes, l'onction sur les âgés, l'onction sur les adultes, l'onction sur l'église, l'onction sur les groupes de louange, l'onction sur les musiciens, l'onction sur les mariés, l'onction sur les célibataires, l'onction sur les femmes seules, l'onction, 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 ceux qui ont bloqué pour le travail, ceux qui ont besoin de papier, l'onction, alléluia, soit déclaré en ce matin. Oh, alléluia, je déclare une nouvelle saison de votre vie. Bientôt tu ne moyeras la grandeur de Dieu, tu te moyeras les miracles de Dieu, parce que Dieu n'est plus au tombeau. Mais il est ressuscité à la gloire de Dieu. Et il est maintenant à la droite de son Père. Il intercède pour nous. Bientôt, l'Église, il sera revenu.
Frères et sœurs, consolez-vous par ces paroles. Ne négligez jamais de continuer à vous préparer. Vous ne connaissez pas l'heure. Vous ne connaissez pas le jour. Mais chose certaine, c'est que notre Seigneur, il reviendra bientôt. Je vous aime tous dans la foi. Je continue à prier pour vous, de près comme de loin. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Endure le combat tant que le combat dure. Amen. Quel que soit le longueur combat, continuez à endurer le combat. Ce n'est pas vous-même qui avez perdu la bataille, mais c'est Satan, le diable, qui a fait défaite. Et me déclarer ça dans le nom de Jésus de Nazareth, que Anessa, c'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Je déclare à plusieurs reprises, une nouvelle saison. C'est ce que Dieu me fit voir. Une nouvelle saison. Je vous aime tous. Et je vous aime encore. Et je vous aime encore. À l'année prochaine, que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Douai. Alléluia, merci Jésus. Disons béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Il est merveilleux notre Dieu. Amen, amen. Nous allons prendre connaissance des annonces pour la gloire de Dieu avec la sœur Eunice. Ouais, bonjour à tous. Bientôt, bon appétit. Donc, je n'allons pas être long, c'est juste les annonces avant de mettre fin à la réunion pour la gloire de Dieu. Donc, nous tenons d'abord à dire bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois. S'il y a quelqu'un qui nous a visités pendant ce deuxième culte, priez de se mettre debout dimanche matin. S'il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois dimanche matin, il n'y a personne. Mais nous avons quand même une visiteuse qui nous vient de loin. Elle est de passage. Je ne vais pas lui demander de parler parce que je sais qu'elle n'aime pas ça. Mais je tiens à la saluer pour la gloire de Dieu. Sœur Vanessa, que le Seigneur te bénisse. Juste un petit coucou pour qu'on puisse te voir. Mets-toi un petit peu debout. Tu ne vas pas parler, tu ne vas pas parler. C'est la fille du frère de la sœur guerrier. Donc elle est venue de passage en Martinique pour raison familiale. Alors que le Seigneur te bénisse encore. Et oh oui, ton fils. Pardon, ma sœur. Pardon, oui, ton fils. Tu salueras ici et aussi ton époux pour la gloire de Dieu. Donc, prions pour ceux qui sont malades. La sœur Heureuse, la sœur Catherine, maman Nono, la sœur Gerda, la sœur James, le frère Vérin, le frère Kenel, la sœur Marie Rieux, la sœur Erta, maman Nardol, Yvette, la sœur Gladys, le frère Sébien, qui est toujours hospitalisé à la Ménard, la chambre 107, couloir LB. Prions aussi pour la sœur Serette, la sœur Emaude, la sœur Rosemène, le frère Joseph, la sœur Eugénia, la sœur Léon et la sœur Dorante, pour la gloire de Dieu. Prions pour le diacre Luc, la sœur Rosine et la sœur Jocelyne qui sont hors du département. Donc la sœur Rosemarie est de retour, mais elle ne se porte pas bien, donc pensons également à elle dans la prière. Prions pour la sœur Sonine Rémy qui a perdu sa maman en Haïti. Elle n'est pas là ce matin. Ok. Pour la sœur, donc la sœur Sonine Rémy, c'est la maman du frère Job, pour ceux qui ne voient pas qui c'est. Souhaitons aussi un joyeux anniversaire à la sœur Joël Célin, à la sœur Marie-Ange, à la sœur Gaëlle Doyen, le frère Joseph à Versailles, la petite Winaël Jean-Pierre et la sœur Sarah Emmanuelle Versailles pour la gloire de Dieu. Un applaudissement pour ceux qui ont fêté leur anniversaire cette semaine. Donc ce sera un moment de louange, de témoignage et de solo à partir de 18h30. Donc si vous avez un témoignage, un solo particulier, merci d'en faire part assez tôt à celui ou celle qui dirige, pour qu'il puisse organiser sa programmation le soir le mieux que possible. Merci. Nous allons aussi bientôt remettre le cahier, comme ça ce sera mieux. Vous allez vous inscrire comme ça le soir, on saura s'il y a combien de témoignages, combien de chants, etc. Pour la gloire de Dieu. Nous reprenons également nos services du mardi soir, nos réunions de prière à partir de 18h30. Le mercredi matin, il y aura jeûne au temple, et le vendredi soir, intercession à partir de 21h. La jeunesse reprend donc ses horaires en normaux de répétition, soit 16h à 18h le samedi,
Je vous l'en. Donc, je demande, en tant que présidente de la jeunesse, je demande aux jeunes de venir, s'il vous plaît. Certains se plaignent, c'était plein à moi. Pourquoi pas de jeunesse? Pourquoi pas de jeunesse? On a repris. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne peux pas être plus longue. On est en live, pour la gloire de Dieu. Donc, il n'y a plus de couvre-feu, mais les gestes barrières sont toujours d'actualité. D'actualité, bon, nous sommes au deuxième culte. Et les retardataires sont toujours priés par la sœur Gisèle de ramener leurs fiches de membres distribuées ainsi que leurs anciennes cartes ou de photos. Donc, si vous avez votre ancienne carte, ramenez votre ancienne carte avec la fiche. Si vous n'avez pas d'ancienne carte, ramenez deux photos. Donc, on a déjà parlé d'intercession qui reprend vendredi. Et la rencontre qui était prévue demain soir avec le pasteur est reportée à ce mercredi 18h30. Donc, la rencontre de demain soir était pour les responsables de l'intercession. Donc, au lieu de demain soir, on vous donne un petit moment pour vous reposer. Donc, c'est reporté à mercredi soir, Dieu voulant, 18h30. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a plus de couvre-feu, etc. Mais nous vous demandons de toujours porter le masque à l'intérieur lors de nos services. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci. Voilà, mes bien-aimés, je ne vais pas vous garder encore. Le moment est venu où nous allons nous séparer pour se revoir encore ce soir. Donc nous bénissons le Seigneur pour chaque personne. Nous bénissons le Seigneur pour pendant les 40 jours de jeûne avec Pasteur Wilson, côté nous de nager. Mais toute bonne chose, toujours gagnons fin. Donc vendredi soir, c'était achevé. Mais la grâce de Dieu continuait qu'à déverser. L'onction du Seigneur continue encore à déverser sur chacun de nous. À nous lever pour nous prononcer la bénédiction sur ce peuple-là et que vous nous laissez ça là pour nous retourner encore à Soya dans la présence du Seigneur. Frère Martial, que bon Dieu bénisse. Okay. Et maintenant, au truc, je te prie dans le nom de Jésus de nous garder, de nous préserver, de nous faire du bien. Quand tu es le Dieu bon, le Dieu merveilleux. Merci au Dieu pour la déculte. Et maintenant, au Dieu, le moment est venu. Nous allons rentrer dans nos demeures, hein, passer un moment pour pouvoir reprendre force et retourner encore ce soir. Nous te prions, au Dieu, de bénir chaque personne. Et que, pas seulement pour ce dimanche, mais pour tout le temps et pour toute l'éternité. Rentrez en paix. Que bon Dieu bénisse vous, que bon Dieu fortifie vous, que bon Dieu fasse du bien. Je vais donner ça. God bless you. Dans la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Et à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oh, oh, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile.
chemin.